La 20e édition des Koundé se tiendra bel et bien du 26 au 27 novembre 2021. Les organisateurs ont tenu à le préciser au cours d'une conférence organisée ce 6 octobre. Les Koundé vont se tenir cette année et c'est le dernier vendredi du mois de novembre. Donc on est en train de mettre des petits plats dans les grands, comme on a pu le dire. Aujourd'hui, c'était juste donner cette information et dire que les Koundé vont concerner l'édition 2019-2020 et l'édition 2020-2021. Donc, vous avez vu ce qui est sorti. Donc, ça va faire qu'il y a beaucoup de travail et qu'au niveau des nominés par catégorie, nous allons passer de 3 à 5 nominés par catégorie. Pour prendre le plus grand nombre, parce qu'il y a beaucoup de sorties, comme j'ai dit, les statistiques ont parlé, vous avez vu, et là, vous rassurez. Le promoteur des Koundé, Salfo Soré, a également rassuré les participants que toutes les mesures sécuritaires et sanitaires sont prises pour le bon déroulement de cette cérémonie. C'est l'occasion pour moi de demander à tous ceux qui aiment les Koundé, qui participent aux Koundé déjà, se faire vacciner et de respecter les différentes mesures parce que nous voulons que tout se passe très bien. À notre niveau, nous comptons encore sur les autorités. Tout à l'heure, vous avez vu qu'on a même demandé une minute de silence par rapport aux nos SVDS qui sont tombés à Yirgu. On sait qu'il y a du boulot qui est fait et que des mesures sont en train d'être prises par les autorités parce que vous avez déjà le grand événement qui va se tenir maintenant, le FESPACO. Et je pense que dans cette veine-là, nous allons pouvoir aussi faire les Koundé. Si le FESPACO peut être sécurisé, je pense que le Koundé peut être sécurisé. Notons que la prochaine sortie médiatique sera l'occasion pour les organisateurs de dévoiler la liste des nominés à la conquête du Koundé d'or 2021.